Ce moment que nous commémorons aujourd'hui demeure comme l'expression et le symbole de l'aversion profonde des Parisiens pour l'arbitraire et l'injustice. Car Paris a ainsi fait, dans sa longue histoire, à chaque fois que le peuple en armes s'est révolté, il a jeté à bas les chaînes et les symboles de la tyrannie et de l'oppression. Et nous avons encore pu le constater plus récemment, notamment en 2015, que Paris s'est toujours résisté face à la terreur, face aux adversités, et plus récemment face au terrorisme. Il nous revient de transmettre avec humilité, respect et émotion cette tradition résistante et le souvenir de ceux qui ont grandement participé à l'histoire en libérant Paris, pour nous toutes et tous, il y a aujourd'hui 78 ans. Vive la République, vive la France.